Nous voici ensuite dans sur notre formulaire, la page de notre formulaire. Donc ici c'est la page où vous créez le formulaire et quand les gens renseigneront les données, vous les recevrez ici à la partie réponse. Mais nous ne sommes pas encore là, nous allons nous cantonner à la création de notre formulaire. On va supposer que vous voulez créer un formulaire pour savoir exactement le nombre de personnes qui utilisent une clé USB de marque SanDisk et une clé USB de marque Toshiba ou Samsung par exemple. Donc ensuite vous allez les distinguer en fonction de leur sexe. Tout dépendra de votre but. Allons pas à pas et nous verrons. Donc la première chose c'est donner un titre à votre formulaire. Le mieux c'est que ça soit parlant, quelque chose de parlant. Dans notre cas nous allons choisir alors on va faire segment station marque clé USB, aussi simple que ça. Ok, notre première question, bon d'abord il faut que vous sachiez certaines choses. Si votre formulaire par exemple, votre formulaire, votre questionnaire, vous voulez le faire dans un but académique, c'est-à-dire c'est pour votre mémoire ou votre thèse, vous devez préciser certaines choses. La première chose par exemple à préciser, c'est de vous présenter. Il faut que vous vous présentiez. Alors bon, nous allons changer maintenant le au lieu de le faire comme ça, nous allons le faire comme si nous faisons un formulaire pour un mémoire. Donc mémoire, voilà. Donc vous pouvez préciser aussi le thème de votre mémoire pour que ça soit plus explicite et parlant. Donc la première chose, donc comme je le disais dans ce cadre-ci, est de préciser qui vous êtes. Donc vous mettez votre nom et prénom. Vous précisez le niveau, c'est-à-dire je suis monsieur Abdoulaye Sadi, master 2 en gestion d'entreprise et à telle école. Vous précisez tout ça à telle école. Donc après ça vous précisez ensuite quel est le but de votre questionnaire ou de votre formulaire, quel est son but, qu'est-ce que vous cherchez à faire. Donc vous écrivez tout ce paragraphe là, c'est-à-dire le nom, niveau, le niveau, l'école ou institut d'affiliation ou l'institut d'affiliation. Vous précisez ensuite le but du formulaire. Donc après avoir fait ça, vous devez préciser aussi une chose, la gestion des données personnelles. Donc vous devez préciser exactement que ce formulaire ou ce questionnaire a un but purement académique ou scolaire ou éducatif, le mot que vous voulez. Donc toutes les données qui seront recueillies ici ne seront divulguées aucunement et seront traitées à bon escient, ne seront pas vendu ou quoi que ce soit. Donc ces données seront bel et bien protégées. Et le mieux aussi dans votre formulaire, c'est de ne pas demander les noms des personnes, à la rigueur l'email au cas où vous aurez besoin de plus de précision. Mais le nom, ça force les personnes à biaiser un peu leur réponse ou à mentir. Donc l'idéal c'est de ne pas demander les noms. Donc ici vous faites
données personnelles. Vous précisez que les données personnelles seront bien gérées. Donc vous pouvez mettre quelques descriptifs ici, mais c'est pas important. L'essentiel, c'est de créer ces parties-là. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons commencer maintenant à traiter, à créer les questions. Et ensuite, comment ces questions-là seront, enfin, si c'est des paragraphes ou des réponses courtes, ou si c'est des questions à choix multiples ou des questions, des cases à cocher, etc. Donc, à la prochaine vidéo.